Începem, uite că avem așa ajutoare acolo. Thank you.
Applaudissez votre maître. Bravo. Te-am luat și cânte. Foarte bine. Thank you.
Cum le-ai? Pozițiile. Și Filip sau aici? Plus hiver, l'ancêtre. Qu'est-ce qu'il a? Les poumons? On va demander au docteur Lourti. C'est un spécialiste. Sur cette photo, on voit au milieu des mineurs qu'il a soigné après la catastrophe de Courrières en 1906. Alors, docteur, vous l'avez entendu? Qu'en pensez-vous? Eh bien, cela ressemble aux symptômes de la silicose. C'est possible. Il s'agit de la poussière ici. Ah, c'est vrai. Ce fléau, aujourd'hui disparu, faisait des ravages à l'époque. Et c'est la poussière qui donne la silicose? Oui, du moins quand elle contient la silice. Et c'est le cas ici. Et qu'est-ce que c'est au juste, cette maladie? Une atteinte des poumons provoquée par l'accumulation d'une grande quantité de silice. Cela entraîne une réaction des tissus pulmonaires si massive qu'elle ressemble à une tumeur. D'où une diminution progressive de la capacité respiratoire et aussi des bronchites. C'est la porte ouverte à la tuberculose. On n'a jamais observé de régression, même lorsque les mineurs prennent leur retraite. À terme, c'est la mort. Eh bien, voyez-vous, moi, j'étais persuadé que la silicose, c'était uniquement dans les mines de charbon. Oui, c'est vrai. Quand on pense à la mine, c'est tout de suite à Zola qu'on pense, à Germain. Zola, tenez, regardez-le. Là, il est en train d'écrire son célèbre roman. Il a dans la tête toutes les images de la misère des mineurs. Ces malheureux mineurs, ils m'ont empli les yeux de larmes. Je n'ai eu qu'un désir, les montrer tels que la société les a faits, et soulever d'une telle pitié, un tel cri de justice, que la France cesse enfin de se laisser dévorer. Voyez Bonnemort, le grand-père Maheu. Il réunit sur son vieux corps toutes les maladies du mineur, l'emphysème, l'asthme, le rhumatisme, la bronchite noire. Le charbon qui bourre sa carcasse le fait cracher sans cesse. Et jusqu'à sa mort, au grand dégoût des bourgeois, il crachera noir. Par trois fois, il a échappé de justesse à une catastrophe. On m'a retiré trois fois de là-dedans en morceaux. Une fois avec tout le poids aussi. Une autre avec de la terre jusque dans le gésier. La troisième avec le ventre gonflé d'eau comme une grenouille. Alors, quand ils ont vu que je ne voulais pas crever, ils m'ont appelé Bonnemort, pour rire. Cela, Zola l'écrit en 1884. Quatre ans plus tard, notre ami le vieux mineur ardoisier échappe lui aussi, presque par miracle, à une catastrophe. C'était tout au début que je travaillais à Mise en Grain, en face.
J'avais 14 ans. Dans ce temps-là, petit, c'était pas comme aujourd'hui. On exploitait en descendant, à descendre, qu'on disait. À la fin, les chambres avaient des parois de plus de 100 mètres de haut. Et la voûte au-dessus, elle était fragile. Un jour, c'était le 15 novembre 88. Dame, oui, ça, je l'oublierai point. Ça a commencé à nous tomber dessus. Tout un côté de la voûte. Ben, la moitié des gars y est restée. On a bien essayé de dégager ce qui était pris sur les cailloux, mais ça continue à tomber. Ils nous ont donné l'ordre de remonter. Il y en est resté 17 en bas. Oh, ça a dû vous secouer. Après ça, j'ai arrêté. L'ardoise, j'en voulais plus. J'ai fait le bûcheron, et c'est seulement après la guerre que ça m'a repris. Il venait d'ouvrir la gâtelière ici, alors j'en ai... Mais j'étais point trop jeune. Alors ils m'ont mis manœuvre pour ouvrir. Et forcément, ça me fait point beaucoup de rentrer ces manœuvres. Faut te faire rentrer le métier dans le corps. Oui, monsieur. Et vous la prenez bientôt, votre rente? Oui, mon gars. C'est ma femme qui va être contente. Oui, contente de le récupérer, son homme. Car on dit parfois que toutes les femmes des mineurs seraient jalouses de la mine. Comme si elle était une maîtresse qui tient leur homme dans ses chaînes. Et la voix, ma femme, comment qu'elle était belle quand on s'est marié. Et là, c'est les vieux cultivateurs qu'ils étaient. Tu sais, petit, moi, j'ai pas eu de fils. Si j'en avais eu un, j'aurais eu dans l'idée qu'il soit fendeur. C'est vrai que les fendeurs, ce sont les seigneurs de l'ardoisière. Ils travaillent à l'air libre, achètent leurs pierres et vendent les ardoises qu'ils en tirent. Bref, ils sont libres, ce sont des artisans. Tandis que le mineur du fond, c'est un prolétaire. Mais quand même, on le respecte. Il est costaud, il est courageux. Et notre apprenti, que va-t-il devenir? Sera-t-il ouvrier? Sera-t-il même clerc un jour? Militera-t-il au syndicat? Bientôt, 1936, le Front populaire. Alors, sous les cailloux du Remblai, la plage des congés payés? Oui, en juin 1936, ils sont bien partis en vacances, pour la première fois de leur vie. Mais ils ne sont pas revenus travailler ici. Au cours de l'été, l'ardoisière avait fermé ses portes. À présent, allez dans la salle suivante. Là, il n'y a plus de mineurs au travail. Mă doare burta, m-am deranjat, cred. Da, cu multă vreau. Pies, da, mă se n-am să mă obișnuiesc. Păi mai curat, da, mai curat. Lasă jos, mă. Nu mă te trebuie. Lasă jos. Ce stai cu presiunea la ureche? Ce sunt greu, așa. Poate fi. Nous allons voir les préparatifs de l'opération la plus importante et la plus mystérieuse de la vie de la mine, le tir de bordée. Alors, vous me rappelez? Oui, regarde, j'ai un suite qui a bougé. Ah ouais? Bon, ça n'a pas l'air bien grave, mais... Vous avez sans doute reconnu la belle-mère, le clerc. L'autre, celui qui l'a appelé, c'est le visiteur. Son surnom à lui, c'est la Bonne Vierge. Et cela se comprend, car son rôle, c'est de visiter sans cesse les voûtes et les parois, de voir si la roche ne travaille pas, si l'on ne risque pas d'éboulement. Quand il voit une fissure suspecte, il pose un suif. C'est un bâtonnet qu'il colle à cheval sur la dure. Quand la roche bouge, même d'un dixième de millimètre, le suif casse. Apparemment, c'est ce qui s'est passé ici. Ton avis, on peut forer les mines quand même? Oui, mais commencez de l'autre côté. Je vais poser un autre suif. Et je reviens de le contrôler avant qu'il soit arrivé jusqu'ici. Si
ça bouge encore, on posera une cheville. Bon, on y va. Monsieur, vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? Je creuse une mine avec le PTR. Et vous n'employez pas le marteau pneumatique? Si, normalement, oui, il y a un an. Et là, on a mis le compresseur dans la montre. Alors, on a ressorti le PTR. Ça va, Paris? Combien de temps vous faut-il pour creuser une mine? La journée, à 5 mètres. Et souvent, on en creuse plus. Moi, ça m'est arrivé à faire 9 mètres. Alors, ici, ça fait 3 ou 4 mines par jour, parce que la chauffe que je vis est à 2 mètres. Il faut que je vous explique. Quand on veut abattre une bordée, on cherche à faire tomber une épaisseur de 2 mètres, 1,50 m de roche. Ouais, ça va, mais je travaille juste en amorce. Ça, c'est le dernier acte. Le bourreur de mine enfonce l'explosif et le bout de feu raccorde les amorces. Vous employez de la poudre, pas de la dynamite? Oui, de la poudre noire, c'est un explosif lent. Avec la dynamite? Ah ben oui, hein, faut pas prendre les temps là. Une heure plus tard, toutes les mines sont en place, toutes munies d'une amorce raccordée au même fil électrique. Allez, bien, sortons vite. Nous allons nous mettre à l'abri dans la galerie. Allez, allez, rouillez-vous, venez par ici. On va filer. Ça y est, tout le monde est à l'abri. Bon, on tire. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Este o casetă de cumpărat acolo, făcută... Am văzut, am rămas, că știam că te-ai făcut. Făcută... Nohokbut! Nohokbut! Nohokbut!